Mobilac, SFR Entreprise, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de Commerce et d'Industrie vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe et la région, présentent les nouveaux défis. Aux Brasseries de Bourbon, on fait la chasse au gaspillage, surtout en matière d'énergie. Pour faire tourner les chaînes de production, on utilise ici beaucoup d'eau, de vapeur, d'air comprimé, d'électricité et de fioul. Depuis plusieurs années, l'entreprise investit pour mieux maîtriser ses dépenses d'énergie, quitte à modifier des modes de production. La stérilisation des sirops, des sodas par exemple, se fait avec un nouvel appareil. C'est un stérilisateur qu'on appelle un stérilisateur UV, qui sert à enlever tout ce qui est bactéries pour la phase de fabrication du sirop. Les UV comme les rayons UV ? Exactement. Donc ça se passe comment ? On a le sirop qui arrive par ici. On a en fait un tuyau en verre et on a les lampes UV qui, par rayonnement, justement, éliminent toutes ces bactéries. Avec ce système-là, on estime pouvoir entre 8 et 10% d'économie d'énergie. Avant, il fallait dépenser beaucoup d'énergie pour chauffer puis faire baisser la température de ces sirops. Tout se fait maintenant à température ambiante. Les économies sont immédiates, le retour sur investissement rapide. Du côté de la chaudière, son fonctionnement est optimisé. Un nouvel équipement permet de récupérer la vapeur produite, de la condenser pour la retransformer en vapeur. Cette machine qui fabrique les bouteilles a fait l'objet d'une étude. L'air comprimé perdu entre deux bouteilles est dorénavant réutilisé pour faire fonctionner la machine elle-même. Les économies d'énergie font partie des objectifs imposés par le groupe Heineken. On travaille beaucoup avec des gens différents de Paris, des consultants et des instances comme l'ADEME, TRIR, etc. pour diminuer ensemble consommation d'énergie. Pour mettre en œuvre ces nouveaux équipements, les Brasseries de Bourbon se sont donc rapprochées de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Elle intervient à plusieurs niveaux, elle prodigue des conseils et aide au financement. Notre rôle est un rôle à la fois d'expertise, de conseil et de soutien aux études, ce qu'on appelle l'aide à la décision, et également soutien aux travaux, donc aux travaux d'investissement. Donc si vous voulez, nos clients, si on peut les appeler comme ça, donc ce sont à la fois des collectivités, ce sont donc des industriels, c'est le monde du bâtiment, c'est aussi le secteur agricole. Donc vous voyez un éventail très, très étendu. La maîtrise de l'énergie sur l'île est devenue un véritable enjeu. Pour les industriels, l'important est d'être bien informé. On a l'occasion de rencontrer les entreprises lors de manifestations que nous organisons soit directement, soit via nos partenaires, des petits déjeuners d'information, des manifestations, des colloques. Donc à cette occasion, nous leur apportons de l'information effectivement générale sur la maîtrise de l'énergie. Dans d'autres cas, ce sont effectivement des entreprises qui ont un projet, qui viennent nous voir afin qu'on puisse les accompagner, puisque c'est une des grandes missions de l'ADEME, d'accompagner et de conseiller l'entreprise, à la fois en amont, pendant le projet et en aval du projet. Montage d'un projet, demande de financement, conseil et appui pour la communication. Pour toutes ces démarches, les entreprises peuvent compter sur l'ADEME. Les entreprises, des fois, viennent nous voir, elles ont déjà réalisé et elles souhaitent un peu le soutien de l'ADEME pour valoriser leurs actions. Et dans ces cas-là, nous les orientons notamment vers certains labels, comme le label Motor Challenge, qui est un label européen, qui est là pour valoriser et communiquer sur leurs actions. En tant qu'acteur du développement durable, l'ADEME peut vous informer sur tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les énergies renouvelables sans jamais oser le demander. À Saint-Pierre, sur les toits de la Citar, pousse un champ de panneaux photovoltaïques. Terminé, ce sera le plus grand de France. On a dû avoir l'accord de nos actionnaires et ça a été un petit peu difficile. Au début, on m'a pris pour un fou et puis on a proposé un pré-projet où on a fait une première installation de 30 kW qui est connectée au réseau depuis 2 ans. On a fait une deuxième installation de 6 kW qui est connectée depuis octobre. Et ici maintenant, on est en train de finaliser l'ensemble de notre dernière toiture avec 1,4 MW qui sera opérationnelle en septembre. On transforme l'énergie solaire en énergie électrique. On sort des panneaux en courant continu
et ensuite on passe dans les onduleurs pour le redresser en coulant alternatif. Et on envoie ça direct dans le réseau et c'est revendu à EDF. Sur ce projet, l'ADEME est un partenaire technique de la société SCE qui se charge de réaliser l'installation et de son exploitation. D'ici la fin de l'année, cette entreprise spécialisée compte vendre pas moins de 4 mégawattheures à EDF. Ça représente 1 mégawatt alimente environ 500 habitations. Donc 4 mégawatts, ça fait 2000 habitations. Donc si on dit qu'il y a 4 personnes par habitation, ça fait que 8000 personnes qu'on pourrait alimenter. Les énergies renouvelables, on le vent en poupe à La Réunion. C'est un domaine très dynamique sur l'île. Les industriels locaux s'y sont investis. C'est le solaire thermique, maintenant solaire photovoltaïque. C'est la valorisation de la biomasse, par exemple dans les centrales thermiques, la bagasse. C'est l'éolien, l'hydroélectricité. La Réunion a une forte présence industrielle. Donc elle peut, sur cette base, exporter son savoir-faire. Ah donc c'est, je crois, l'ambition des industriels qui sont implantés ici à La Réunion. À l'échelle de l'île, de nouveaux projets devraient voir le jour. Entre 2007 et 2013, un nouveau contrat de projet État-Région entre en vigueur. On va à nouveau rentrer dans une période, à mon avis, dynamique, avec beaucoup d'initiatives, donc qui seront encouragées par l'ensemble de ces partenaires, disons institutionnels. Donc en particulier avec la région EDF, sur la maîtrise de l'énergie et avec le département sur le thème déchets ménagers. La gestion des déchets, c'est en effet l'autre domaine d'action de l'ADEME. Elle apporte conseil aux collectivités et aux entreprises sur ce sujet presque aussi brûlant que celui de la maîtrise de l'énergie sur l'île. SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous ont proposé les nouveaux défis.